Hi, my name is Patrick Smith. I'm a staff photographer with Getty Images based in the United States. I visually document sports globally. And this past summer, I was in Tokyo for the Tokyo 2020 Summer Olympics. I was thrilled. Japan is a great place. I've been there before. We at Getty always pride ourselves in getting something extraordinary. One of them is a fencing picture. It's a very blurred but artistic picture with Olympic rings at the top. As a professional sports photographer, there's no greater event than the Olympics. And being at the Tokyo 2020 Games in the National Stadium covering the athletics makes your heart beat and it makes the athletes' hearts beat. Being there shooting events like the pole vault where an athlete's levitating across the air, seeing the iconic views of the stadium, the woodwork at the top, is very historic and it's something that I'll never forget. Coming back from the stadium every night for the athletics, you weren't talking to your colleagues, you're looking out the window, you're seeing the Tokyo Towers, it looks like the Eiffel Tower, it's the Statue of Liberty, as in New York. It feels like you're in this amusement park of real life, it's just, it's beauty. It's the temples you get to go by. You can get off a train and go to a temple in 1 minute and be in a different part of the city and 10 steps later. It's the history, it's the new, it's the old. When I speak about Tokyo to my children, I tell them how safe it is. They'll be welcomed with open arms no matter what. I tell them that the food is amazing. You. Returning to Tokyo is something that I hope happens in the near future, whether that's for a major sporting event or returning with my family. It's just somewhere I know that makes my heart beat in a happy way. On attend 11 000 athlètes, 42 sites de compétition. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à regarder. Bonjour, mon nom est Olivier Pron, je suis grand reporter au service des sports à RFI, Radio France Internationale à Paris. Lens, quatrième qui marque le pas, et Angers, c'est le champion en titre. Ces Jeux Olympiques de Tokyo où je me rendais pour la première fois, eh bien, étaient mes troisièmes Jeux Olympiques. Les Japonais étaient manifestement contents de nous voir. Je retiendrai deux temples, le Budokan, parce que quand on vient au Japon, on doit s'intéresser au judo, c'est le sport roi. C'est un endroit avec une architecture très très particulière qui a beaucoup frappé les esprits. Et puis je terminerai bien sûr avec le temple du sumo qui s'appelle Kokugikan. C'est là où il y avait les compétitions de boxe. Et j'imaginais très très bien ce que pouvaient être des combats de sumo dans cet endroit particulier. Et puis le dernier jour, évidemment direction Shibuya parce que c'est le quartier emblématique de Tokyo pour ce passage piéton multiple que l'on connaît dans le monde entier. Et pour cette tour qui se trouve à Shibuya Scramble Square avec un Sky Observatory Desk qui permet d'avoir une vue sur Tokyo à 360 degrés. Tout avait été parfaitement organisé. Et donc, c'est ça l'héritage des Jeux de Tokyo. Ils ont montré qu'en temps de pandémie, on pouvait organiser des Jeux. Peut-être que d'autres pays ne l'auraient pas fait, mais Tokyo l'a fait.